Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse de ce jeudi 24 mars 2022. L'IME, bonjour. Bonjour, Rino. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est en sa compagnie que nous allons décrypter les titres que nous avons retenus aujourd'hui. On démarre tout de suite avec cette info qui fait l'effet d'une bombe qui met la joie dans le cœur de tous les Ivoiriens, j'imagine. C'est le retour en Côte d'Ivoire de Miss Olivia Yassé. Oui, retour triomphal pour cette pour celle-là même qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Elle a fait vibrer le pays entier, la nation lui est reconnaissante, en tout cas pour avoir hissé très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Elle est de retour, accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, accueillie donc en triomphe par des autorités, des personnalités, oui. Par ses parents, par ses amis, des fans, mais aussi et surtout par la ministre de la Culture, pour dire que la nation tout entière est reconnaissante pour tous ces exploits de cette jeune fille qui, je le dis encore, fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Ah oui, Olivia Yassé qui a été sacrée deuxième dauphine au concours Miss Monde, c'était à Porto Rico. Et Olivia Yassé, en tout cas, vous l'avez dit, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et qui a été accueillie par de nombreux fans aussi. Hein. Voilà, toute la nation était presque mobilisée sur les réseaux sociaux. C'était l'effervescence hein, pour celle-là qui a représenté valablement la Côte d'Ivoire. En tout cas, on lui dit encore félicitations et puis on espère qu'elle va hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à travers les différentes actions, on l'imagine, qu'elle va mener. Bien, on parle de politique à présent et l'Inter de ce jour revient sur les coulisses de la rencontre qu'il y a eu le 22 mars, c'était avant-hier, entre le président de la République et Dr Albert Mabritoakeus, président de l'UDPCI. Oui, Renaud, tu le sais, les relations entre ces deux personnalités s'étaient brouillées trois mois avant la récente élection présidentielle. Mabritoakeus, qui était en griffe opposé à la candidature de feu Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné comme voilà, candidat du RHDP, Il avait signifié donc son désaccord suite à cette décision-là. Et par la suite, il a quitté le Rassemblement des Oufoutistes. Il a rejoint les rangs de l'opposition. Voilà, il a rejoint donc l'opposition quelques mois seulement avant l'élection présidentielle. Les relations n'étaient plus donc au beau fixe entre ces deux personnalités qui totalisent pourtant plus de 30 ans de relations. Vous savez que la scène politique, elle est brûlante. Aujourd'hui, avec le dialogue politique et les conclusions donc du dialogue politique, les rencontres entre les différents leaders politiques sont au nombre donc des recommandations du dialogue politique. Et nous voulons croire que donc la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le docteur Albert Mabritoakeus, président de l'UDPCI, s'inscrit donc dans cette dynamique. En tout cas, le docteur Albert Mabritoakeus qui a dit que cette rencontre s'inscrivait hein, dans le cadre des résolutions du dernier dialogue politique. Et l'Inter nous dit que cette rencontre a été organisée sans intermédiaire. Hein. C'est le président de l'UDPCI qui a appelé le chef de l'État et qui a souhaité le rencontrer. Le chef de l'État a répondu favorablement. Justement, voilà, il a d'abord été accueilli donc par le directeur du cabinet et ensuite il a conduit ensuite auprès du président de la République. Les deux hommes politiques donc ont évoqué les questions d'actualité, notamment les conclusions du dialogue politique, mais également Albert Mabritoakeus, selon le confrère, a exprimé donc au président de la République, a rappelé au chef de l'État l'absence donc de son parti dans le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que cette préoccupation-là aussi a été bien notée par le chef de l'État, qui espère qu'au niveau donc de la prochaine rentrée parlementaire, une suite favorable devait donc être trouvée à cette proposition donc de l'UDPCI. Et autre sujet abordé au cours de cette rencontre, selon l'Inter, c'est celui du rétablissement, celui de la question du statut hein, de feu. Le général Robert Guéhi, fondateur de l'UDPCI, demande qui a été faite par le président de l'UDPCI et le chef de l'État. Là-dessus aussi, selon le confrère, a pris bonne note et cette rencontre, normalement, devrait augurer de lendemain meilleur hein, pour le climat politique. Et on espère que
les choses vont aller dans ce sens. On salue en tout cas ce rapprochement. Oui. Renaud savait qu'après l'élection présidentielle de 2020, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais Mabrouk Touareg a dû vivre dans la clandestinité pendant quelques mois quand même. Oui. On salue en tout cas ce rapprochement qui devrait contribuer donc à la décrispation donc de la sphère politique en Côte d'Ivoire. Okay. Il faut rappeler aussi que le docteur Albert Mabrouk Touareg était le deuxième vice-président du RHDP à l'époque. L'un des vice-présidents du RHDP, la question du RHDP notamment a été évoquée, mais au sortir de son entretien avec le président de la République, le docteur Albert Mabrouk Touareg a dit qu'il n'avait pas été question de son retour au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. On continue de parler de politique avec le RHDP qu'on a évoqué tantôt, RHDP qui affiche ses intentions selon le Patriote. On est à quelques mois des élections générales en Côte d'Ivoire. Vous savez que les élections municipales sont l'occasion donc de tâter le terrain. Oui. 2023, c'est seulement à 2 ans de 2025. Donc en préparant 2023, on prépare en même temps 2025. Oui, et c'est en cela que le directoire du RHDP donc, qui s'est réuni pour mettre donc les militants en ordre de bataille. Cela donc commence déjà par quadriller le terrain et faire en sorte que, en tout cas, aux quatre coins du pays, le parti soit valablement représenté. Oui, oui, oui. Vous savez que c'est le parti qui est au pouvoir en ce moment. Donc, il y a ce statut-là à faire respecter à l'occasion des élections à venir. Il faut donc faire en sorte que la nouvelle ossature du parti soit bien comprise par les militants et que chacun sache ce qu'il a à faire. Que donc les 40 secrétaires qui se sont réunis ont travaillé sur plusieurs aspects, notamment la carte de militants qui devrait revenir donc au goût du jour. La nouvelle proposition a été faite. Il a été également question donc de la nouvelle carte, on va dire la nouvelle carte du parti, parce que chaque parti essaie donc de faire un découpage du territoire en fonction donc du maillage qu'on veut faire. Et cela a été évoqué. 344 départements ont été sortis. Hein. Justement. À côté des différents départements, il faut également activer les différentes structures spécialisées, notamment la question des femmes, la question des jeunes et toutes ces structures spécialisées-là qui vont concourir donc à faire en sorte que le parti soit bien représenté sur le terrain et que la bataille de 2023 se prépare maintenant. En tout cas, cette bataille de 2023 qui est en pleine préparation par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. Et hier, à l'occasion de la rencontre que le directoire du RHDP a tenu à la rue Le Pic, au siège du parti, eh bien, des orientations ont été données aux militants. Autre formation politique qui, elle aussi, se prépare pour les prochaines échéances électorales, c'est le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPA, CI et le PDCI. Justement, ces deux alliés, mais en termes d'alliance véritable, je pense que c'est 2023 qui sera un véritable test, on va dire un test grandeur nature pour ces deux alliés. Vous savez que pour les législatives de 2021, on a parlé donc de coalition, d'union entre le PDCI, mais c'était avec... le PPAC n'était pas encore né. C'était donc le parti dirigé, le groupement politique dirigé donc par le président Ouéyen qui avait donc conduit les débats. C'est maintenant qu'on parle d'une véritable alliance entre le PPAC et le PDCI. Il faut donc peut-être pour ces deux parties, il a tiré déjà les leçons de cette première collaboration en ce qui concerne les législatives de 2021, voir ce qui a marché, ce qui ne l'a pas été, rectifier le tir et puis essayer ensemble donc, de faire de belles propositions pour les joutes électorales à venir. Si le RHDP se prépare, le PPAC et le PDCI aussi en sont conscients. Ils savent que leur véritable adversaire politique aujourd'hui, c'est le RHDP. Chacun essaie donc d'affiner ses stratégies dans la perspective de 2023, mais je l'ai dit, Renaud, en préparant 2023, c'est 2025 que les différents partis politiques essaient de préparer parce que les résultats
de 2023 vont jouer forcément sur l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, le PPACI qui a indiqué à travers son premier vice-président exécutif chargé de l'implantation du parti, Stéphane Kipré, qu'il présenterait des candidats aux municipales et aux régionales de 2023. Et c'est pareil pour le PDCI hein, qui aujourd'hui est en tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et le PPACI aussi, eh bien, qui continue de mobiliser ses troupes. On parle d'autre chose, hein. On sort de la sphère politique et on s'intéresse à celle du transport. Voilà, depuis quelques jours, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Transports pour réguler la question du transport en concernant les VTC. Et cette nouvelle réglementation plutôt a créé des remous sur les réseaux sociaux. Et le ministre des Transports est monté au créneau hier pour dire qu'il n'était pas question que les VTC disparaissent. Oui, il essaie de rassurer donc les différents acteurs. Renault, il y a eu beaucoup de grincements de dents après la publication de ce décret-là. Donc, en tant que ministre en charge donc, du portefeuille réservé au transport en Côte d'Ivoire, il essaie donc de rassurer les différents acteurs, mais il a dit également une chose importante. Nous sommes dans la dynamique de développer le transport urbain, le transport des personnes. Les différentes initiatives sont les bienvenues. Pas question de faire disparaître donc ce nouveau mode de transport, mais également il faut préserver les intérêts des taxis compteurs qui sont donc une particularité de la ville d'Abidjan. Il a annoncé donc un atelier pour mieux expliquer donc ce décret aux différents acteurs et essayer de voir ce qu'il y a à rectifier. En tout cas, il les a rassurés en leur disant qu'ils ne disparaîtraient pas, que l'objectif de cette nouvelle réglementation, c'était pas de tuer leur activité et donc les différentes revendications, on pourra dire, ou observations qu'ils ont faites, elles seront prises en compte au cours de ces activités que vous avez citées, ateliers qui seront organisés pour tirer toute cette histoire au clair et leur permettre bien évidemment de continuer à exercer leur activité. On va refermer ce point de l'actualité, l'IME avec la disparition de Jean-Roger Adom, lead vocal du groupe Zouglou Makers qui a secoué toute la Côte d'Ivoire hier. Justement, une crise d'asthme qui nous a arraché donc à l'affection des Ivoiriens, ce talentueux chanteur du groupe Zouglou Makers, Jean-Adom Roger, donc tu l'as dit, est parti trop tôt, cette belle voix, donc on l'entend. On n'entendra plus jamais. Des hommages ne manquent pas sur la toile des artistes, des mélomanes, mais également les amoureux de la musique, les amoureux du Zouglou multiplient donc les messages d'hommage pour dire ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fière, le Zouglou perd une valeur sûre et c'est regrettable. En tout cas, Jean-Roger Adom et son groupe qui ont apporté une touche de particularité au Zouglou en y introduisant les orchestres. Et voilà, c'est ce grand monsieur de la musique ivoirienne et surtout du Zouglou qui part ainsi. Eh bien, on souhaite que la terre lui soit légère et on souhaite nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et surtout à toute la grande famille de la musique ivoirienne et particulièrement du Zouglou. Angeval, c'est ici qu'on s'arrête pour l'intégrale de la revue de presse de ce jour. Merci beaucoup à Renaud, merci à M. Liémé. On rappelle qu'il est rédacteur en chef de Radio Yopougon. On a fait le tour, hein. On a fait le tour de l'arrivée d'Olivia Yassé jusqu'au décès de Jean-Roger Adom, lead vocal de Zouglou Makers. C'est un groupe qui a été créé en 2007. Et comme tu l'as dit, Renaud, qui a révolutionné la musique Zouglou avec, bien sûr, les orchestres et tout, qu'on en a beaucoup maintenant aujourd'hui. Oui, hein. Oui, pléthore, hein, les orchestres. Ça donne un cachet particulier. Oui, un cachet particulier, parce qu'à l'époque, le Zouglou, tout le monde sait, c'était les colos, le la percussion et tout ça. Bon, après, ils sont rentrés en studio, on a connu la grande vague avec les devanciers et tout ça. Mais avec Zouglou Makers, on a eu les orchestres qui ont été introduits, les instruments de musique classique. Bien sûr, bien sûr. Ça, et ça a donné une nouvelle touche à ce genre musical-là qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Merci. Ce qui est bien, on est tous Zouglou, hein. Aussi. Tous. Merci chacun à Renaud. Merci Liémé. Chacun a nous une part de Jean-Roger Adom. Comment ? J'ai dit, on a tous en nous chacun une part de Zouglou. Ben oui, ça c'est clair. En tout cas, toutes nos condoléances à...